Bonsoir à toutes et à tous. Alors par contre, oui, je pense qu'il faut que je règle mon micro. Oh, ça va. En vrai, ça va le micro. C'était pas si pire le micro. Du coup, j'espère que vous allez bien. Alors, petit stream qui n'était pas forcément prévu sur AstroTerre, et du coup on va pouvoir reprendre là où on s'était quitté hier soir, c'est-à-dire sur cet excellent tableur que m'a proposé Riette pour gérer la fuite, pour gérer la création d'un indice de fuite. Et donc là, moi j'étais resté là-dessus, et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de reproduire ces formules pour comprendre exactement comment elles fonctionnent et pour pouvoir ensuite appliquer ça dans le jeu. Et on va continuer ensuite à... on va continuer ensuite à réfléchir à comment on va gérer la fuite, notamment le choix de la case de fuite. Donc, quick, ça on supprime. Ça on supprime. Hop, hop, hop. Tout ça, on réinitialise. Ça, on va enlever. C'est où? C'est là. Et donc ça, en fait, on va le mettre ici. C'est le seuil de fuite, donc. Hop. Attendez. Bizarre ça, pourquoi ça m'a séparé tout? Ah ouais. J'avais dû ajouter une ligne bizarre. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Et donc, ici, on va pouvoir commencer à créer. Donc, en soi, j'ai besoin, donc j'ai besoin de l'entité. J'ai besoin de ces PV actuels et de ces PV max. Ça, c'est pour l'entité. Entité, le PNJ, quoi. On va mettre ça comme ça, PNJ. Ensuite, on a besoin du nombre d'alliés. Donc, alliés. On a besoin de leur... Hop. On a besoin du nombre et on a besoin des PV actuels cumulés. Ensuite, pour les ennemis, c'est pareil. On a besoin du nombre et des PV cumulés. Donc ça, c'est les alliés, on va les mettre en vert. Et ennemis, on va mettre en rouge. Hmm.
Ensuite, donc, on va calculer un score. Que Riette appelle allié ennemi. Ensuite, on a un score PV total. Et ensuite, on a un score PV du PNJ. Donc ça, en fait... Donc là, on fait le nombre d'ennemis divisé par le nombre d'ennemis plus les joueurs. Ok, donc ça, oui, plus 1, plus le PNJ, c'est ça. Donc, imaginons qu'on ait 4 alliés, enfin allez, on va mettre 3 alliés. Et 2 ennemis. Donc on va faire égal donc le nombre d'ennemis. Non, c'est ça, hein? Oui, ça. Divisé par le nombre d'ennemis, donc B11, plus le nombre d'alliés, plus le joueur, enfin le PNJ, plus 1. Ok. Score PV total. Alors c'est quoi ça? C'est le score de tous les ennemis. Ok, donc c'est à peu près la même chose en fait. Donc c'est PV cumulé. Donc imaginons qu'il y ait 30 points de vie et 20. Donc égal ça divisé par ça plus ça et j'imagine plus le joueur. Je vais vérifier. Ah non. Non, il n'y a pas le joueur. Il n'y a pas le joueur. Si, il y a le joueur. Si, il y a le joueur. Et ensuite, on a le score du PJ. Donc ça, c'est les scores actuels divisés par les PV max. H5. Ah non, c'est l'inverse. Et C7. D7. Divisé par D7. Et là, on va dire que le... Hop. Ah non, c'est C7 divisé par B7. Voilà, et si je baisse ça... Ok. Et donc ces trois trucs là, c'est ça qui est intéressant. Hop, c'est qu'en fait, on fait tout x 10. Donc on fait égal ça multiplié par ça, multiplié par ça, multiplié par... on va mettre ça. Hop. Et là on va mettre coefficient 10. Donc il nous faut un coefficient. Et ce qui est intéressant, donc
Là, par exemple, le danger n'est pas énorme, mais si je passe à 1, le danger devient beaucoup plus important. Si je diminue le nombre d'alliés, le danger est vraiment plus important. Si j'augmente le nombre d'ennemis, le danger est plus important. Et si j'ai moins d'ennemis mais plus de points de vie, le danger est plus important aussi. Ok, donc ça marche nickel, ça marche nickel. Merci énormément, Riette. On peut peut-être zoomer. Ouais, on va zoomer. C'est très très bien ça. Hein. Et alors, si je change le coefficient, ça fait quoi? Ça diminue le danger. Ça diminue le danger. Donc en fait, ce coefficient. Salut, Mister Chiluc. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Je devais avoir. J'avais potentiellement une session de jeu de rôle ce soir, mais elle a été annulée. Donc du coup, surprise. Mais voilà. Et salut, Devan. Donc c'était pas prévu. Hein. C'est pour ça. Donc en fait, ce coefficient. Ça pourrait être. Donc ce coefficient, est-ce que c'est une caractéristique? Par exemple, si on met 0, le score de danger se cumule à 0. Donc, si on met 1, ok. Ouais. Le coefficient, ça pourrait être un indice de peur, en fait. Hein. Donc ça pourrait être une caractéristique des PNJ. Et du coup les mobs, ils auraient 0. Du coup les mobs, ils pourraient jamais avoir peur en fait. Ils pourraient jamais fuir. Mais si on les met à 1, il y a certains mobs qui pourraient fuir en fait. Dans Minecraft, est-ce qu'il y a des mobs qui fuient? Je crois pas. Hein. Par contre des PNJ pourraient fuir quoi. Et on pourrait avoir des vrais froussards qui sont genre à 100 de... Et alors là, eux, ils fuient tout le temps quoi. Ils fuient tout le temps. Ouais. Les mobs passifs, tu as raison, ils fuient, ouais. T'as raison, chez eux qui fuient. Je sais pas si on fera des mobs passifs. Je n'y avais pas pensé à des mobs passifs. Je n'avais pas pensé à ça. Tu es appelé bébé Ogline. Ah, les bébés Ogline aussi fuient. Je le savais pas, ça. Bon, c'est super intéressant. Donc, ce coefficient, en fait, ça pourrait être une caractéristique des personnages. Et après, il faut calculer le seuil de fuite. Donc ça, c'est le froussomètre. Et donc là, moi, j'avais mis, donc... J'avais mis la force, mais la force, on pourrait peut-être l'augmenter. Le rôle de la force et L3, j'avais pas mis l'empathie. J'avais pas mis l'empathie. Et l'agressivité, j'avais diminué. En vrai, il faudrait pas le diminuer, je pense que au contraire, l'agressivité, plus t'es agressif, moins tu fuis en fait. Donc du coup, Rose, elle est à 43. Mais donc il lui faudrait un coefficient. Je pense qu'il faudrait un coefficient, par défaut, un coefficient à 10 pour les PNJ. 10, ça serait la base. Là, ça veut dire que grosso modo.
S'il y a 0 là, ça fait quoi? Ouais, grosso modo, si elle est toute seule contre un mob, elle fuit pas immédiatement. Hein. Donc peut-être que le coefficient est trop faible, peut-être 8. Ah bah non, c'est 15 plutôt. Faut que j'augmente le coefficient. Si je le mets à 20, le coefficient. Ça veut dire que quelqu'un comme Rose. Quelqu'un comme Rose, elle fuit là. Mais c'est normal. Par contre, en début de combat, contre un ennemi, elle fuit pas. Contre deux ennemis, elle fuit pas non plus. Ouais. Donc elle est assez téméraire quand même. Trois ennemis. Elle fuit pas non plus, elle a quand même un seuil de fuite assez important. Donc peut-être pas l'empathie, il faudrait l'agressivité, peut-être pas la multiplier en fait. L'agressivité, juste faire un cumul. Plus tes stats augmentent, moins t'as un seuil de fuite quoi. Puis en plus si on... Ah oui, par contre, attends. Ah oui, j'avais oublié ce détail, si t'as 0 allié, il faut que je mette 0 PV. Après, ce qui va jouer beaucoup, c'est si elle perd des points de vie, en fait. Et voilà, si elle perd des points de vie, elle va fuir très vite le combat, en fait. Ah ouais, carrément. Donc je pense que c'est pas mal ce système. C'est pas mal du tout. Faut peut-être que juste qu'on... Donc, s'il y a un ennemi avec 5 points de vie au début du combat, Rose, elle peut tenir longtemps, hein, elle peut tenir une dizaine de tours sans flancher. Par contre, dès qu'elle va perdre des points de vie, si l'ennemi n'en perd pas, ouais, je dirais que ça part à 5 PV, la moitié de sa vie qui commence vraiment à paniquer en fait. C'est pas mal parce qu'en plus son ennemi n'est que 10 PV. Par contre, si son ennemi est un ennemi beaucoup plus fort, genre à 50 PV, ouais, là elle va commencer à paniquer en 3 tours. En 3-4 tours, elle panique. Faudra voir à l'usage, mais ça me paraît être un bon système. Merci Riette, c'est excellent ce que tu as fait. Du coup, on a un système qui est bien en fait. Donc ce coefficient, c'est donc une statistique du PNJ ou des créatures. 0 égale ne fuit jamais. 20 égale niveau normal des PNJ. Supérieur à 20 égale Froussard. C'est ça, hein, en vrai.
Et on peut aller jusqu'à 100 en fait, hein. 100 égale Houssard, fuite quasi immédiate. Fuite, on va mettre fuite immédiate au niveau 1. Après. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra imaginer des sorts qui jouent sur ça, sur ce coefficient, pour déclencher des comportements de fuite. Donc ça, c'est génial. C'est génial. Ah, je surkiffe. Donc là, on aurait l'entité doit-elle fuir? Bah oui ou non. Et si on met oui, après, la question qu'on doit se poser, c'est... quelle... Bah, en fait, c'est pas ça. Du coup, c'est plutôt ça. C'est déterminer la case... la plus adaptée à la fuite. Mais du coup, en fait, ça c'est quelque chose. Non. Qu'en vrai, on va devoir placer avant même la liste des actions, en fait. Ah bah d'accord. C'est quelque chose qui va être avant tout, en fait. La fuite, c'est toujours une action disponible. Donc, si on met non... Là, on détermine la liste des actions. Donc finalement, ça, c'est le début, ça, en fait. C'est quoi ça? Ah oui, j'ai pris le nom, mais... j'aurais pas dû... C'est ça le début en fait. Salut Philae. Il n'y a aucun souci Philae, profite bien de ta soirée. Profite, profite, profite. Et merci quand même d'être passé faire un petit coucou. Effectivement, tu as raison, ce n'était pas prévu. C'est un petit stream bonus. Donc ça, c'est le premier truc qu'on va travailler ce soir. L'entité doit-elle fuir? Donc, du coup... Youp. Youp.
Alors, que je regarde comment j'ai fait. Donc, c'est bien là qu'il faut que je rajoute un truc. Ah, intelligence. Ruse, agressivité, empathie. Et donc là, on va avoir un nouveau truc. On va avoir export var. Comment on l'appelle cette courage? Comment on l'appelle cette variable? Bravery. En fait, courage, ça irait pas. Ce serait plutôt. Parce qu'en fait, courage à zéro, ça, c'est contre-intuitif. Il nous faudrait plutôt l'inverse du courage, lâcheté. C'est coward. Lâcheté. Cowardise. Ouais, c'est ça, cowardice. Parce qu'après, sinon, il y a la fuite. Vite, c'est leak, mais ça peut être aussi. Ouais. Salut Portnawak, hein. Bienvenue à toi. Alors, je peux te faire un petit résumé. Je te mets aussi la commande si tu veux lire. Là, si j'arrive à taper la commande, parce que voilà. Donc, je suis en train de créer de manière totalement non professionnelle, hein, totalement amateur, un jeu vidéo en 2D inspiré par l'univers de Minecraft. Ce sera un jeu de rôle tactique, donc avec des combats au tour par tour, sur une grille comme un plateau de jeu de société si tu veux. Et on pourra contrôler son personnage ainsi que des alliés. Il y aura des créatures emblématiques de Minecraft, hein, des creepers, des zombies. Puis il y aura aussi des PNJ et tout un système de quêtes également, puisque je développe tout un univers en fait. Ah bon filet. Donc tu peux voir un extrait du jeu dans quelques instants, il faut juste que je finalise la création d'une variable. Mais je pense que cowardice, enfin la lâcheté c'est pas mal en fait. Lâcheté. Cowardice. Manque de force morale. Cowardise, ouais en français c'est la cowardise. Ouais, c'est ça. Donc 2.int. Et donc là, je vais mettre mes petites indications. Donc 0 par défaut pour les. Donc je vais mettre 2. Pour les. Je vais mettre 2.égal 20. Voilà. 0 par défaut pour les créatures qui ne fuient jamais. Je vais te montrer, hein, Portnawak. Merci pour ton follow. 20 niveau normal pour les PNJ. 100 fuite quasi automatique. Et du coup, on va avoir une variable qui va être. Donc, ça, c'est cowardice. Cowardice. Et ben on va l'appeler actual cowardice. 2. Égal
On va mettre 2 points int. Après, à la limite, on en fait une onReady var 2 points. Est-ce que je peux faire ça? Ensuite, hop, je te montre le jeu, Portnawak. Donc, voilà pour l'instant à quoi ça ressemble. Sachant que tout est en développement et qu'il y a plein de choses qui ne sont pas définitives. Par exemple, ne fais pas attention aux zones rouges. Là, c'est juste des zones de test pour faire des tests sur les collisions. Pareil, là les informations au-dessus des PNJ ici, c'est juste pour moi, pour le débugage. Donc il y a plein de choses qui sont pas définitifs. Donc on est dans un style graphique qui se veut simple, héritier des générations 16 bits, etc. Donc bon, j'essaierai d'améliorer petit à petit, mais c'est pas... Voilà, je suis pas un grand graphiste. J'ai créé des sprites animés en 2D, tu vois, pour le déplacement des personnages, donc... C'est long et fastidieux. On a déjà un petit inventaire qui fonctionne et j'en suis plutôt assez content et satisfait puisqu'il permet de s'équiper, de se déséquiper, d'avoir des armes. On peut filtrer les différents objets qu'on a dans l'inventaire. On peut fusionner, séparer. Enfin voilà, on peut faire pas mal de choses avec cet inventaire. Ensuite, on a aussi la possibilité d'ouvrir des containers. Tu vois, par exemple, là, j'ouvre une caisse de patates. Là, j'ouvre une caisse d'andésite. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas fait la traduction encore. On a quelques dialogues. Si je parle à Bob, par exemple, tu peux voir que pour l'instant, j'ai commencé à faire des petites choses. Voilà, donc il me parle d'une quête, un creeper à aller trouver. Et j'ai donc un journal de quête avec la quête du creeper. Voilà, c'est des quêtes de test, hein, c'est pas... et là, s'il y a des zombies, des squelettes, c'est pour faire des tests sur le combat. Donc le combat se présente comme ça, là, je viens de le déclencher artificiellement en appuyant sur une touche, mais à l'avenir, il se déclenchera évidemment quand on est à proximité des monstres. Et donc le combat se passe au tour par tour, donc il y a une première phase de placement où je contrôle des alliés. Alors pour l'instant j'en contrôle 2 plus moi. Et puis il y a des PNJ ici, ici et là. Et en fait après on joue chacun notre tour. Il y a l'ordre des tours qui est à droite après la phase de placement. Et donc là c'est moi qui joue. Donc je peux me déplacer et comme là on est passé en mode tour par tour, je me déplace sur une grille en fait. Et donc je peux sélectionner une arme, pour l'instant j'ai fait quelques épées, j'ai fait une arbalète, et je peux par exemple attaquer à distance. Ah, j'ai pas assez de munitions. Pourquoi il me dit que j'ai pas assez de munitions? Bah je sais pas pourquoi il m'a dit que j'avais pas assez de munitions, parce que j'en avais. Donc peut-être un petit bug. Voilà. Donc j'ai tué le squelette. Je passe mon tour parce que j'ai dépensé des points d'action qui étaient sur la gauche. Et là, tu vois, j'ai un PNJ qui agit tout seul et qui va tuer le zombie. Donc voilà. Alors, il passe pas son tour tout seul. Donc c'est moi qui passe son tour quand il a fini. Là, je contrôle Steve Junior. Donc lui, il a qu'une épée. Donc je vais pas pouvoir aller jusqu'au zombie. Donc je peux me déplacer. Et attends, et passer mon tour. On a le zombie qui va se déplacer. Et qui attaque qui? Il attaque lui, voilà. Bob, alors Bob c'est un cas à part, parce que lui, pour faire des tests, je l'ai mis comme ennemi du joueur. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il attaque mon personnage à moi. Rose, c'est un PNJ à droite, et elle a un arc, donc elle tire l'arc sur Bob, puisque c'est notre ennemi. Il se déplace. Là c'est à Steve de jouer. Et donc Steve, lui, il attaque à la hache, et il va essayer d'achever le zombie, et voilà, le combat est gagné. Voilà.
Voilà pour cette petite démonstration. Mais encore, il y a encore des bugs, il y a encore des choses qui vont pas, évidemment. Le projet a développé il y a 2 ans. A commencé il y a 2 ans. Un peu plus de 2 ans, presque 2 ans et demi maintenant. Bah ouais, au mois de juin, ça fera 2 ans et demi. Ouais, ça fait 2 ans et demi, quoi. Après, je suis quasiment seul à le développer, mais j'ai eu quand même énormément de coups de main de la part de Mimiche. Notamment pour tout ce qui est réflexion, etc. Et puis encore hier, de la part des gens sur le stream, parce que je stream une fois par semaine en général sur AstroTerre, et donc je reçois régulièrement des coups de main, en fait. Voilà. Donc voilà. Donc j'utilise le moteur de jeu et l'éditeur Godot. Godot Engine. Donc... Merci beaucoup, Portnawak. Après, pour l'instant, voilà, on est encore loin d'un jeu que je pourrais diffuser. Hein. De toute façon, enfin, donc je n'ai pas les droits hein, sur la licence Minecraft, donc je ne cherche pas à faire un projet commercial. C'est vraiment un projet de amateur, mais je compte diffuser le jeu gratuitement le jour où il sera suffisamment jouable pour être apprécié. Parce que là, pour l'instant, c'est juste une, c'est juste des trucs à débugger, quoi. Alors, Philae, je te répondais pas parce que t'étais hors sujet. Je parlais à Portnawak du jeu et là, toi, tu me parles d'Olicube. Donc. Et coucou, Riette! Riette qui m'a enlevé une énorme épine du pied hier. Alors, attends, c'est quoi les dômes loin du temple de l'eau sur Olicube 6? Je ne sais pas de quoi tu parles. T'es sûr de pas avoir de problème avec Microsoft? Ça, j'ai répondu. Je n'ai pas les droits. Donc si Microsoft un jour veut me dire stop, bah mais pff, qu'est-ce que tu veux qu'il s'occupe d'un projet comme le mien, franchement. Du coup, Riette, on est en train d'implanter le système que tu m'as proposé hier. Je l'ai reproduit sur mon tableur à moi pour comprendre comment t'avais fait. Et ça marche très bien, donc du coup, je l'implante dans le jeu. Donc là, j'ai créé déjà... Et en fait, si un truc dans ta technique qui est vraiment intéressante, c'est ce coefficient que tu as ajouté. Donc toi, tu l'avais mis à 10, et en faisant des petits tests, moi, je vais le mettre plutôt à 20 par défaut pour les PNJ. Et en fait l'avantage c'est que tu vois le score de cumul, bah forcément si ce coefficient on le met à 0, eh bien en fait il est de 0. Donc on va pouvoir créer des créatures, ou même des PNJ, mais qui ne fuient jamais en fait. Et par contre, à contrario, si je mets un coefficient à 100, là tu vois, on a un score de danger qui est supérieur au seuil de fuite de Rose, donc on peut très 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 facilement pousser des PNJ à fuir tout le temps en fait. Donc du coup, ce coefficient, ça va servir dans la fiche de création des PNJ à définir leur cowardice, donc c'est-à-dire leur lâcheté. La lâcheté étant de 0, bah, il fuit jamais, et la lâcheté étant de 100, il fuit tout le temps. Ou plus de 100, ça fuit tout le temps. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut créer un niveau de base, mais on peut aussi créer un niveau actuel, et ça veut dire qu'on pourra tout à fait facilement faire des sorts qui font peur, en fait, qui augmentent le score de Quardiz, et qui, du coup, entraîne la fuite des PNJ. Ou des créatures d'ailleurs. On pourra rendre peureuses les créatures. Et ça c'est cool. Bon. Du coup. Donc j'ai besoin du score de Quardiz et je vais avoir besoin du cumul de Quardiz. Donc var total Quardiz ouf
Accumulated Cowardice. Voilà. 2 points égale 0. Point 0. Ça, c'est un... c'est une flotte. Donc, ça, c'est lâcheté cumulée lors d'un combat. Du coup, tout de suite, ça, on va penser. Normalement, je pense que. Est-ce qu'ils sont liés? Est-ce qu'on est bien connecté au game mode? Oui. Change mode. Et donc, si on est en fight. Si on est en fight, on met tac 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 égale 0.0. On remet à zéro cette en début de combat. On remet l'accumulation de lâcheté à zéro. Comme ça, c'est fait. Ah bah bien sûr Phila, et t'as tout à fait raison. Hein. Là, on est en train de mettre en place énormément de mécaniques de base, mais il est clair que un jour, dans quelques années, je pense, dans plusieurs mois, voire quelques années, on aura atteint un seuil où on aura les fonctionnalités de base, ce qui nous permettra ensuite de vraiment créer le jeu, d'aller beaucoup plus dans la narration, dans le level design, etc. Il y aura toujours un petit peu de choses à rajouter, mais là, on en est vraiment qu'au tout début du gameplay, en fait. Oui, oui, il est prévu qu'il y ait des versions de test que je puisse vous partager, mais là, pour l'instant, le jeu est tellement buggé que c'est moi qui teste, parce qu'il suffit que je lance le jeu une fois pour trouver un bug, quoi. Donc j'ai pas besoin de testeur, en fait, pour avoir des bugs à corriger. Donc, lâcheté cumulée lors d'un combat. Et donc, je pense que pour l'actuel Cowardice, là... Pourquoi j'ai des bugs? J'en ai énormément. Ouais, bon, ça c'est parce que j'ai joué dans l'inventaire et que j'ai toujours ce bug de l'inventaire. Ok. Ça c'est pas grave du tout. Ok. Je vais effacer. Je pense que pour ça, on va mettre un set get. Donc set actual cowardice. Et surtout get. Je sais plus comment ça marche pour les set get. C'est quoi la syntaxe? Set get. C'est une virgule. Ok. Get. Hop, actual cowardice. Ok. Bon, ça c'est pas. En vrai, c'est pas trop la peine de faire quoi que ce soit. Donc, fonction pour mettre à jour la valeur de lâcheté en cours. Mm-hmm. Salut Cerber! Et du coup, là, on va avoir notre fonction nettement plus intéressante qui va être la get actual cowardice. Hop.
Alors du coup, la fonction getReturn. Oui, les fonctions get, elles doivent return forcément la valeur. Hop. Voilà. Ça, c'est normal. Donc, fonction Ah oui, mais je confonds en fait. Non, mais je confonds. J'ai pas besoin de get en fait pour ça. Je me trompe. Le set encore, il peut être utile. On le verra après pour actualiser. Et donc en fait, là on va avoir besoin d'une variable qui va être donc le seuil de fuite. Alors, escape threshold. C'est le cas, Philae. C'est le cas. Mais pour les mobs, a priori, ils n'auront pas de fuite possible. Sauf certains. Mais a priori, ils n'ont pas de fuite. Alors, ce seuil de fuite, il devrait être calculé. Au début de chaque combat. On va faire ça comme ça. Donc ça, c'est le seuil de fuite. Donc on a le seuil de fuite, on a le score de danger. Non, on n'a pas le score de danger en fait, accumulé. Si, le accumulated cowardice, l'acheter cumulé lors d'un combat. C'est ça. Ok, est-ce qu'on n'a pas passé la cowardice sur un tour? Sur le danger sur un tour en fait. Donc c'est pas la lâcheté en fait, c'est pas l'accumulé. Non, c'est pas. C'est danger accumulé en fait. C'est plutôt ça quand même qu'il faut que je fasse. Danger accumulé. C'est pas la cowardise, c'est le danger. Et du coup, var actual danger, c'est lui qu'il faut que je...
J'ai pas fait mon retour. Mon téléphone est un Android A51. Je peux agrandir l'écran de Twitch. Et du coup, mon retour, c'est que je préfère ton overlay actuel. Beau changement, merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Je me suis dit que c'était mieux de mettre en avant le logiciel que j'utilise pour que vous puissiez mieux le lire. Et du coup, j'ai agrandi ça. Et en même temps, j'avais envie de changer un peu. Et voilà, le format portrait avec la caméra un peu plus... en format portrait au lieu du paysage, je trouve que ça... Voilà, c'est bien. Tant mieux si ça vous plaît. Plus en plus de streamers le font, hein. J'ai rien inventé. J'ai rien inventé. Mais je trouve que pour le coup, c'est ça. Donc là, je dirais qu'il faut un set get. En fait, là, je suis pas sûr qu'il faille un set get. Pour l'instant, on va pas en mettre. Par contre, là, il va falloir en mettre un. Ça, c'est... que mon idée du coup c'est que le script qui gère le tour va voir si il faut fuir ou pas. Donc il va récupérer le danger accumulé et vérifier s'il est supérieur ou pas au seuil de suite de fuite. Et c'est tout en fait. C'est tout ce qu'il va faire. Par contre, à chaque tour, il faut que je calcule ce danger accumulé en fait.
C'est ça. Et pour le calculer, bah, il faut que je fasse un set actual danger. Ouais. Par contre, le get, je suis même pas sûr en fait. Peut-être que le 7 suffit. Donc c'est peut-être plus un get qu'il faut que je fasse en fait. Mais non, parce que du coup ça va l'accumuler à chaque fois. Donc c'est pas vrai en fait. Faut pas forcément que j'ai un set. Parce que sinon là faut que je lui donne directement la valeur. J'en sais rien la valeur en fait. Puisqu'il faut que je la calcule. Donc c'est plutôt update. Et du coup, j'ai pas besoin de 7. Alors, fonction. Pendant les combats. Au début du tour du PNJ. Pour actualiser les niveaux de danger et en fonction des stats et de la lâcheté. Et du coup, au début de chaque round, on update le danger. Et du coup, est-ce que ça, on le mettrait... En fait, ça, on le mettrait bien dans les stats, en fait. Alors, on le mettrait bien dans les stats, quand même.
Ça serait peut-être plus logique que ce soit là quand même. Donc, c'est là où il va falloir maintenant cravacher. Parce qu'il va falloir aller chercher les informations complexes dont on a besoin. Pour calculer ce score de danger. Donc, var. Il nous faut les points de vie, donc les HP score. Score en anglais, ça veut dire quoi déjà? C'est le score, ok. Donc ça, c'est le plus simple. C'est le plus simple parce que c'est le nombre de points de vie max divisé par le nombre de points de vie donc le nombre de PV max donc c'est init health non c'est quoi crotte je sais plus. Max Earth, c'est ça. Ça c'est fait, c'est le plus simple. C'est le plus simple. Alors. Ensuite, il nous faut il nous faut la liste des nodes des alliés et la liste des nodes des ennemis.
Ça marche. Donc on a bien le HP score, le danger actuel et le danger cumulé au début du tour de Rose. Ok. Donc ça marche. Maintenant, c'est dans le game board, je pense. On doit avoir get quelque chose. Find friends, friend, find enemy in a zone. Donc c'est parfait. On a les fonctions qu'il nous faut. J'ai peur de passer pendant un clip, c'est quoi comme techno? De quoi tu parles, Cerber? Je suis désolé, je vois ton message seulement maintenant et du coup j'ai raté. Ah, le langage. Le langage, c'est du GDScript. Donc, c'est un langage propre au logiciel Godot que j'utilise. Mais par contre, c'est très inspiré par le langage Python. Donc, un langage assez connu. Bon, je ne connaissais pas avant de jouer. Enfin, de faire AstroTerre, mais. Donc, il faut que je lui donne. Mon nœud, bon, ça c'est pas un problème. Faut que je lui donne ma case. Et faut que je lui donne la taille de la zone de recherche. Ok, ça va. En fait, là, mon interrogation, c'est est-ce que c'est pertinent de donner une. De chercher dans une zone. Quelque part, oui, ça pourrait être RP. Que le PNJ, il ne regarde que dans une zone autour de lui s'il a des ennemis ou des alliés, en fait. Parce que du coup, si les ennemis sont loin, il va pas trop en tenir compte. Pour ça. Pour sa peur, entre guillemets.
Bon, on va faire quand même une zone assez grande, hein. Genre, on fait 30, quoi. 30 cases autour de lui, c'est beaucoup, hein. Ou 20 cases autour de lui. 20, c'est déjà beaucoup, hein. Que 20 cases, ça fait quoi ça? Si je prends rose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Donc ça veut dire qu'elle regarde dans un carré de 20. Peut-être faire 15. 1, 2, 3. 13, 14, 15. Donc là, à la limite, elle prendrait pas en compte le squelette. On va faire 20. 20, c'est pas mal. 20, c'est pas mal. Ok. Donc, on a besoin de trouver les ennemis. Find enemy in a zone. Ok. Donc. Va. Enemies nodes. Donc, faut qu'on lui balance notre NPC node. Notre NPC node.cell et on va mettre 20. Donc, c'est ça. C'est ça, Cerber. Je vais chercher la. Alors, pas la moyenne, le cumul. J'ai changé par rapport à hier. Je vais chercher le cumul des points de vie des ennemis. Je vais chercher le nombre d'ennemis. Je vais chercher le nombre d'alliés et le cumul des points de vie des alliés. Et avec tout ça. Je vais pouvoir, avec ma petite formule, réussir à avoir un score de danger qu'on va accumuler au fur et à mesure du combat. Et si ce score de danger a atteint un certain seuil, eh bien, le PNJ va fuir. Trop de stress. Donc, var enemy enemies count égale enemy node point size var allies count égale enemy node.size. Oui, c'est un peu technique, je te l'accorde.
Alors, elle compte 4 ennemis. Donc 1, 2, 3, 4. Elle compte 4 alliés. 1, 2, 3, 4. Donc elle se compte pas dans le lot, hein, c'est ça qui est important. Elle ne se compte pas dans le lot. Un, deux, trois, quatre, c'est ça. Donc, nous, il faut qu'on fasse plus 1 pour qu'elle se compte bien dedans. On ajoute le PNJ en lui-même pour le nombre total d'alliés. Ok, donc ça on est bon. Donc maintenant on va faire qu'on fasse nos petites boucles pour cumuler les points de vie de tout le monde. Si, t'as tout à fait raison. Ah oui, donc du coup, faut que je refasse le test. Merci, Devon. Tu as entièrement raison. Six. Donc, elle se comptait dedans, en fait. Ok. Parce que là, j'ai gardé le plus 1, mais ça va pas. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, faut pas que je fasse le plus 1. Donc, elle se compte dedans. Bon, je vais faire un print pour être sûr. Je vais le printer. Align nodes. On voit ceux qui suivent et ceux qui baillent. Exactement. Allez, printons-le. Je veux que ce soit rose parce que pour l'instant je vais garder le même. Ah non, j'avais rose. Voilà. Donc Steve, Rose, Jack, Player. C'est ça. Ok. Donc ça marche. Donc, boucle pour cumuler le nombre de PV des alliés. Et ensuite, il me faudra une boucle pour cumuler le nombre de PV des ennemis. On est d'accord que dans ma petite fonction PV total, oui, on ajoute bien les PV. Ah oui, mais on ajoute. Oui, si c'est ça, c'est 11. Oui, c'est ça. Hello, Duo Sprite. Thank you for your follow. Goodbye. Donc il faut qu'on ait...
Salut Soxy Gaming, bonsoir à toi. Donc là, il faut qu'on duplique. Bon, en fait, est-ce qu'on a besoin de le dupliquer? Je suis pas sûr, parce qu'après, on n'a pas besoin de le réutiliser. Donc, on va pas le dupliquer. Donc, var lie node égale lies nodes point pop back. Var. Et donc après, on ajuste notre variable. Donc on va avoir un. On va avoir. Var HP lie cumulated. Je vais y arriver. HP for lies. Cumulated. Et après on a la même chose pour les enemies. Enemies. Et donc là on a cumulated HP for allies plus égal ally node.health. Sauf si align node égale player en fait. Point type égale player. Parce que si c'est le player, enemy ally. Ah, je dis toujours ally, mais je dois dire une bêtise alors. Ça va être horrible, si je me trompe, je vais avoir trop de mal à me corriger. Ally. Non. Ally. 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 Google, il dit ally. 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 Je mets un S. Allies. Enemy. Ally. Ally. Moi j'ai essayé le verbe aussi, allier, mais. Non. Non, moi ça va, ça me rassure. Ally, ally, ally. Donc après il faut regarder stats, hein, c'est ça. Je veux t'allier avec moi. Tiens, attends, bah on va essayer. Alors, écoute bien. Do you want to join me? il a triché, il a... Voilà. You want to ally with me? Ah non, you want to ally with me? You want to ally with me? Google, il dit ally. Bon après, ça reste Google, hein, mais... Donc pour le player, le player stats.
Alors, est-ce que mes petites boucles fonctionnent? Ah oui, mais non. Mais ah oui. Non, c'est vrai, il y a plein de trucs pas logiques, hein, surtout le 80 là, c'est horrible. Mais compter en belge, c'est mieux. Mais en français, ouais, non, c'est pas logique. Hein. Bon, oui, non, j'ai fait une connerie. Oui, oui, non, c'est fini à faire, mon truc. C'est ni fait ni à faire. Alors, il me faut des clés en fait. Var allies keys égale allynodes point keys et donc allynode. Donc là, on a var li qui égale en fait j'ai plus besoin de ça du coup est-ce qu'il il suffit que je fasse allies keys.size supérieur à 0. Et je fais li key égale li keys point pop back et là c'est allies li nodes li key. Et ça, on s'en fout. Et là, ça devrait marcher. Voilà, cumulated HP for allies 60. Ça sent que on a 10. Pourquoi on arrive à 60? J'ai peut-être 20 PV moi. Get. Non, c'est quoi 7? Non, c'est quoi? Help. C'est print. Print. Earth. Ah oui, c'est ça, j'ai 20. Ok, donc ça marche. Le joueur, il a 20. C'est ça. Le joueur, il a 20. Donc c'est bon, ça marche. Voilà. Donc en fait, hop. On change. Enemies keys. Enemy nodes.
Effectivement, Henriette. 81, 81, ouais. Alors, Cumulated HP pour ennemi, c'est 21. Pourquoi 21? Ils ont 7 points de vie chacun? Et 4 ennemis. Ah non, lui il en a 10 donc. Ça fait 11. Je sais pas. On va vérifier, hein. Ils ont combien les squelettes? Creature. Zombie. 4. Creeper. 4. Donc 4 et 4, 8. 8 et 3. 11. Et 10, ça fait 21, c'est ça. C'est ça. Puisque Bob, il en a 10, donc c'est 21. Ouais. It works. Ça marche. Incroyable. Donc en fait, c'était pas si compliqué que ça. C'était vraiment pas compliqué. Parce qu'on avait déjà la fonction qui nous permet de trouver les ennemis. Donc maintenant, on a besoin du score de points de vie. Donc c'est global HP score égal. Donc, c'est les PV cumulés des ennemis, donc cumulated, tac, divisé par cumulated, plus les alliés, cumulated HP pour allies. C'est ça. Ok. Ensuite, on a le score allié sur ennemi. Donc, c'est le ratio. Ratio allies enemies égal B11. C'est le nombre d'ennemis. Donc, enemies count divisé par allies count plus enemies count. Hop, n'oublions pas les parenthèses. Et du coup, ça, le plus important. Le var actual danger. Donc, on va mettre update actual danger égal. Donc, on va mettre ce HP score là. On va le mettre ici. Comme ça, on a tous les trucs. Donc, c'est ça. Fois ça, fois ça, fois le coefficient, donc npc node point actual cordis. Et du coup, il faut qu'on le print, ça. Hop.
Allez, vas-y, Rose. Alors là, on a un truc bizarre. Actuel danger, c'est... Update actuel. Égal à 0. Je pense que c'est à cause de ça, le actual Coardis. Ok, donc... Ok. Je pense qu'il se met pas à jour comme je voudrais. Ah mais non, attends. Ou alors c'est juste vérifions. Journey, Rose. Ah si, il est à 20. Par défaut, il est à 20, donc il s'est bien mis à 20. Donc je pense que c'est mon truc, le Unready Var, là, qui marche pas. Hop, donc ça, on va le mettre. Non, stat init. Donc npc node point actual cordials égale npc node point cordials. Parce que là ça change pour notre ami Rose, que ça actualise bien la bonne valeur. Allez, mémoire rose, s'il te plaît. Merci. Non. Qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce qui va pas ? Est-ce que c'est ça qui va pas? Bah non, c'est bien ça, je récupère bien 20. Ah, pourquoi le updated actual danger, j'ai 0. En fait, j'ai pas besoin du nombre. J'ai pas besoin du nombre de d'alliés en fait. Si? Ah si si si. Si 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 si, quel couillon. Bien sûr que si, j'ai besoin.
Où est-ce que ça merdouille? Je pense que je sais, c'est à cause des... Oui, je pense que je sais. Ok. Il faut tout que je mette en float en fait. Que c'est ça mon souci. Pas de facture nulle, je pense plutôt que c'est vraiment parce qu'il y a des arrondis à cause des entiers, et là je force vraiment à avoir des... des décimaux. Alors là par contre ça va changer mes valeurs, bon c'est pas grave. Il y a un joueur qui est blessé. Voilà, ça marche. Là, on a un danger, voilà, qui est bien calculé. C'est bon, c'était donc ça. C'était bien donc ça. Donc on va voir si on obtient les mêmes choses avec le tableau. Donc le PNJ là il a 10 PV. Nombre d'alliés il y en a 5. Non il n'y en a que 4. PV cumulé, c'est 58, donc c'est 48. Nombre d'ennemis, il y en a 4. Et PV cumulé des ennemis, c'est 21. C'est bon. 2,362869. 2,362869. Donc c'est bon. On a bien la même formule. Je crois qu'ils ont planté une Ariane 5 au début, une erreur comme celle-là. Ah ouais? Une erreur de variable qui avait pas la bonne. Eh bah oui, mais ça arrive au meilleur d'entre nous. Non, mais c'est. Bon, j'y ai pensé, donc c'est bon. Mais c'est vrai que c'est le genre de truc que tu penses pas forcément. Que le fait d'avoir. Il suffit d'une variable bloquée en entier pour te fausser tout en fait.
Il faut bien forcer les floates partout. Donc ça marche. Donc maintenant, update actual danger. Fonction activée pendant les combats au début du tour du PNJ pour actualiser les niveaux de danger. Donc du coup maintenant on va pouvoir cumuler. Donc NPC node point accumulated danger plus égal update actual danger. Voilà. Et là, du coup, normalement, d'un tour sur l'autre, ça va augmenter. Et ça va varier, en fait, en fonction. Donc Jack, par exemple, là, il a 2, 3, 0, 4. Je sais pas pourquoi il a pas le même nom que... Ah si, parce que tout à l'heure, Rose, oui. Donc là, le danger, il était à 2, 3, 0, machin. Bon, on va pas le faire bouger. Le squelette il va blesser Rose. Le danger il a 1,74. Il était pas très fort le danger là. Je sais pas pourquoi il était si faible. Ah bah si, parce qu'il y avait un ennemi en moins. Eh oui. Eh oui, eh oui. Pour Bob, c'est intéressant parce que ça va être différent. Ah ouais, lui, le danger, il est de 12. Eh ouais, parce que lui, il a plus de beaucoup de potes et il a ses... Ouais, intéressant. Hop. On repasse à Jack. C'est ça que je voulais voir. Voilà, le danger cumulé. Pourquoi le danger, il est toujours de 2,06? Ah ouais. C'est le même qu'au début? Ou c'est une coïncidence? Non, il n'était pas 2,06 le premier. Donc c'est juste que j'ai pas retenu correctement. Là, le danger était cumulé à 4,3. Donc voilà. Sur un combat comme celui-ci, c'est normal qu'il ne fuit pas, quoi. Et Rose là, ouf, danger à 1 et cumule à 2,8, donc c'est faible, voilà. Ça marche. Dans ton nombre d'alliés, tu vérifies qu'il reste des PV, pas mort. Bonne soirée, Cerber. Dans ton nombre d'alliés, tu vérifies qu'il reste des PV, pas mort. Ah non, tu dois avoir raison, je dois avoir un souci. Enemies count 2. Si c'est bon. Regarde, c'est bon, le nombre d'ennemis est de 2. Il en reste que 2. Donc ceux qui sont morts ne sont pas comptés. Et donc c'est bon, c'est ce qu'on veut. Ceux qui sont morts ne sont pas comptés. Non, c'est bon. Tu fais bien de demander, mais c'est bon. Alors, ça sert à quoi le cumuler? C'est une vraie question que tu poses. Dans mon idée, le cumuler, c'est parce qu'en fait, il peut y avoir En fait, la fuite peut se décider si vraiment le combat est très 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 inégal. Ou elle peut se jouer aussi sur le stress dû à la durée du combat et au basculement progressif. Et donc en fait, le cumulé, pour moi, il va servir
pour des combats peut-être un peu longs ou un peu serrés, à faire basculer certains PNJ en mode fuite, alors qu'au début ils ne l'étaient pas, mais ils vont y passer petit à petit en fait. Même si... Imaginons qu'on est au 5e ou 6e tour de combat, ce sera potentiellement plus probable de passer en mode fuite au regard de la situation du 6e tour de combat que si on était au premier tour de combat avec la même situation. Au premier tour de combat avec la même situation, il n'y aurait pas de fuite. Mais au 6e tour de combat, si la situation n'est pas très équilibrée, avec l'usure en fait, le moral, c'est une certaine forme de morale en fait, le combat peut basculer avec une fuite. Bon, sachant que pour l'instant, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire que ça s'accumule quoi. Parce qu'il n'y a pas de valeur négative, il n'y a que des valeurs positives. Mais après, on peut imaginer des sorts, par contre, de soutien moral, qui font baisser le niveau de stress, en fait. Bon, en tout cas, ça marche bien. Ça marche très très bien. Le heal. Alors, le heal, il aura un effet immédiat automatique qui diminuera l'accumulation de dangers, puisque forcément remettant des points de vie. Mais par contre, c'est vrai que sur le cumul, ça ne l'augmentera, ça ne diminuera pas le niveau total accumulé jusqu'à présent. Peut-être. Peut-être qu'il faudra que le heal fasse baisser aussi un petit peu ce sort-là. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Intéressant. Donc du coup, ça marche. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on calcule à chaque début de tour, maintenant, c'est... il faut qu'on calcule le seuil de fuite. Faut qu'on calcule le seuil de fuite. Donc j'ai déjà créé hein, une variable, je crois. Ouais. Le escape threshold. Je sais pas comment ça se prononce ça. Hop. Comment ça se prononce? Escape threshold. Escape threshold. Escape threshold. Escape threshold. Ok, donc le escape threshold. Allez, calcule en approche. Non, il est vraiment simple à calculer, le escape threshold. Donc on va le calculer. Dans le stats. Et donc, je l'ai... Après, peut-être que ça changera, mais actuellement, il est calculé de manière très simple. C'est l'intelligence plus l'agilité plus la force multipliée par 2. Donc... NPC Intelligence plus NPC Agility plus
NPC Force. Ouais, 2. Plus. L'agressivité. La ruse. Pourquoi j'ai pas la ruse là? Ah, parce que pour la ruse, j'ai pas fait de init. Oui, parce que ça, c'est pas des valeurs qu'on pourra changer. Oui. Oui, ça changera pas. Je pense pas que ça changera avec des sorts. Donc, pour l'instant, on va le faire comme ça. Et agressivité, c'est quoi? C'est aggressiveness? Et l'agressivité... Et ça, c'est bon. Et du coup, je vais juste le printer ici pour voir si tout va bien. Donc normalement, pour Rose, ça fait 38. C'est ça. 38. Du coup, pour... c'est qui joue après? C'est Jack. Et donc, pour Jack... Le calcul donne 41 pour Jack. C'est ça, 41. Et pour Bob, 33. C'est ça. Bon, en même temps, c'est que des plus, hein, donc c'est pas compliqué, hein. Et là, vous voyez que lui... Il a un danger déjà de 14. Hein. Ça veut dire que là, lui Bob, il a pas tardé à fuir. Hein. En même temps, il s'est fait tirer dessus. Il a perdu un allié. Ils sont à 3 contre 5. Il y a potentiellement une fuite. Oui, oui. Bon, c'est génial. Ça marche. Merci encore, Riette. Hein. Là, tout ça fonctionne grâce à toi. Donc, je suis très content. Ça marche. Donc, maintenant qu'on a toutes nos stats, on va pouvoir répondre dans le script action à la question « Faut-il fuir ? Oui ou non ?» Et donc, ça, c'est au début... Donc c'est vraiment au tout début. Donc... Ah, ça me convient très bien. Yeah.
Donc là, on est où là? On est dans le... on a notre nœud, hein. Entity, ouais, c'est ça. Donc, EF. Entity. Point. Accumulated, je sais pas quoi. Gars, j'ai déjà pu. Donc c'est accumulated danger. Supérieur à... Salut Tricot. Escape threshold. Print. Fuite nécessaire. Donc là, on va avoir besoin de ce test là aussi, hein, je pense. Donc peut-être qu'il faut le faire là plutôt. Et donc là, en fait, on va pas créer une idée d'action, on va créer juste la fuite. Hein. Ça va très bien et toi, Tricot? Parce qu'en gros, là, c'est vraiment spécifique quand même. Sauf si, parce qu'après, si je le crée dans ce truc-là. Non, on va se retrouver à créer trop de trucs.
On va créer une fonction spécifique, je pense, pour la fuite. Donc, la fuite. Fled, c'est ça. Donc, fonction pour créer toutes les caractéristiques de la fuite. Et là, donc, on va avoir besoin de essentiellement la case d'arrivée. Hein. Je pense qu'on a besoin du coût aussi. Est-ce que du coup, on va avoir. Ouais, c'est ça, d'avoir le coût du mouvement. Donc, c'est la target cell, la case. Ensuite, on va avoir le coût du mouvement. Et c'est tout, hein. Probabilité d'échec, non. Non, parce que c'est juste un déplacement. Non, par contre, là où on pourra ajouter un peu d'aléatoire, parce que je te vois venir, Riyad, je pense que tu veux ajouter une part de. C'est dans le choix de la case. En fait, on va. Parce que là, c'est. Bon, là il est 23h30, je ne pense pas qu'on va commencer ce soir. Mais il va falloir que je développe un algorithme pour choisir la meilleure case pour fuir. Donc, il va falloir que je réfléchisse très sérieusement à c'est quoi la meilleure case pour fuir. Bah, je dirais que c'est la case la plus éloignée de tous les monstres possibles. Dans une situation la plus simple, ce serait ça. Quelle est la case la plus loin de tous les trois, tous les ennemis. Mais, il va falloir qu'on se frotte à la réalité des combats. Est-ce que c'est possible de trouver une telle case? Je sais pas, faut qu'on fasse des tests. Est-ce qu'il voilà, une zone avec le moins d'ennemis, donc est-ce qu'il faut qu'on raisonne en termes de zone, en termes de case? Et du coup, c'est à ce moment-là, je pense, qu'on pourra introduire une part d'aléatoire. Dans le choix de cette case. Et du coup, eh ben, c'est là où finalement il y aura un risque dans la fuite. C'est-à-dire que ce ne sera pas toujours la meilleure case de fuite qui sera sélectionnée. Mais par contre, le fait de fuir, c'est
automatique à partir du moment où les conditions de la fuite sont réunies. Je vois ça comme ça. Par contre, je suis en train de me dire que j'ai un problème dans mon skate, c'est qu'en fait... L'action n'a pas été exécutée. Tu as ta variable nombre d'ennemis, tu testes toutes les cases atteignables, tu prends les valeurs les plus faibles. Au pire, tu prends les 5 dernières et tu tires au sort. Ouais. En fait, je me pose la question. Est-ce qu'il faut partir... Ouais, faut peut-être faire ça. Faut partir de toutes les cases connues des ennemis. Ouais, je sais pas. Ça va être coton à... Il faut réfléchir parce que est-ce qu'il faut partir des cases des ennemis ou est-ce qu'il faut prendre les cases autour du joueur, enfin autour du PNJ, et pour chaque case accessible du PNJ, déterminer laquelle est la plus loin des mobs, ou est-ce qu'il faut déterminer une case à atteindre même si elle est hors de portée du PNJ et déterminer un chemin pour y aller. Oui, clairement, on va avoir besoin du pathfinding pour attribuer des valeurs, en fait. Compter le nombre de cases qui relient de créatures, en fait. Et ouais, faut voir quelle est la méthode la plus simple, la plus efficace. Ça, j'avoue, je ne sais pas. Alors, je voudrais tester déjà. Je voudrais tester ça déjà. Si on arrive à un cumul de fuites. Alors on va commencer pas par Bob, parce que c'est Bob qui est susceptible de fuir. Hop. Donc là, il a un danger cumulé de 12. Je suis pas sûr que je puisse aller jusqu'à ce que...
ne le tue pas. Il est pas mort. Il est mort. Non, il est pas mort. Alors, est-ce qu'il va fuir? Alors, Bob. Ah oui. C'est bon. Fuite nécessaire. Regardez. Donc, ça a marché. Donc là, il a fait aucune action parce que j'ai pas encore déterminé. Mais donc, il doit lui rester un point de vie. Je pense que c'est ça. Oui, oui, Devon, t'as raison. T'as raison, le cumul pose un problème s'il n'y a aucun moyen de redescendre. Donc je suis d'accord avec toi, il faut voir pour le heal par exemple. Tout à fait. Faut voir pour le heal. Alors après, on n'est pas obligé de garder ce cumul. Hein. On pourrait tout à fait se servir juste de la valeur de fuite initiale. Parce que là, regardez, là, la fuite, elle est de 95. Hein. Donc la fuite étant de 95, c'est supérieur à 33, donc il aurait fui de toute façon à ce tour-là. Parce qu'il a plus que un point de vie. Et il est trop blessé, quoi. Donc oui, à voir. Sinon, tu retires un coef fois la distance au cumul. Je veux dire, plus on est loin, plus on retire du stress. Comme ça, quand on fuit... Parce que cette idée de cumul, elle me paraît intéressante par rapport à l'usure du combat, mais... A priori, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de cumuler. Mais là, c'est intéressant. Dans cette situation, là, Bob, il fuit. Là, il fuit. Qui cumule ou pas, il fuit. Et c'est normal, il n'y a plus qu'un point de vie. C'est-à-dire qu'il se prend une tatane, il est mort. Donc c'est logique qu'il fuit. Hein. Non mais c'est cool. Bon, ça marche. Ça marche très très bien. On verra cette histoire de cumul. Faut que j'y réfléchisse. Et puis maintenant, faut que je réfléchisse à comment on détermine la meilleure case où fuir. Par exemple, là, typiquement, la Bob, il est un peu coincé. Hein. Oui. Oui, on peut tout à fait faire un autre calcul. En tenant compte du nombre d'alliés, etc., et soustraire. On peut se débrouiller hein, pour le cumul, on peut trouver une solution. On peut trouver, c'est pas un problème. On a fait le plus dur là, grâce à toi, Ariette. On a un calcul qui est vraiment bien. Vraiment très très bien, merci beaucoup. Mais là, donc, par exemple, là, pour la situation de fuite, là, Bob, il est malin. Hein, parce que... Clairement, la fuite... Ah, de toute façon, il est mort, en fait. Parce que avec la portée de Rose... C'est ça, en fait. La fuite, en plus, elle va être conditionnée par l'intelligence d'un PNJ. S'il est très bête, il prendra pas conscience que, par exemple, Rose, elle est à l'arc. Si par contre il est intelligent, il saura que Rose elle a tiré à l'arc, et du coup, il s'éloignera plus d'elle que de ceux qui sont corps à corps, enfin je sais pas.
C'est compliqué. Hein. Parce que là, pour Bob, bon, il est mort, mais quelle est la solution? On va dire que pendant le combat, il peut pas rentrer dans une maison, hein, sinon ça va être trop compliqué. Donc, là, je dirais qu'il y a... Il y a pas de bonne solution. Je crois que là, il y a que des mauvaises, là. Et la maison le coince, en fait. Ouais, peut-être. Peut-être, Yette. Bon, en tout cas, là, la fuite, clairement, il est mort. Là, la fuite est inutile. Il est trop entouré. Mais imaginons... Imaginons juste un instant que Bob, là, il fuit, mais que Rose n'est pas là. Là, la fuite, c'est de partir par ici, en fait. Donc, en fait, il faut calculer une case la plus lointaine possible de tous, en fait. Ouais, je pense que t'as raison. En fait, faut pas qu'on calcule dans l'absolu. Parce que si on calcule dans l'absolu, on va avoir trop de cases... Faut qu'on calcule dans sa portée, en fait. Parce que si on fait une case, je sais pas, il va choisir là, mais là, ça a pas trop de sens par rapport au combat. Faut que ce soit dans sa zone de portée, en fait. Donc là, il a 10, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, ouais, voilà, il irait par là. Ouais, je pensais à ça aussi, la moyenne des ennemis, et tu pars par là. Fait que là, la moyenne des ennemis, je sais pas, ça serait genre là. Et on partirait... Ouais, mais... Ah, c'est compliqué, parce que la moyenne... Imaginons que la moyenne, ce soit là. Est-ce qu'on va vers le haut? Est-ce qu'on va vers le bas? La moyenne, je sais pas trop en fait. Si c'est une bonne... Je suis pas sûr que la moyenne ce soit un bon critère. Non, je pense que pour chaque case, il faut calculer une valeur qui tient compte de la distance de toutes les créatures. Ennemis. De tous les ennemis. Et parmi les cases avec la meilleure valeur, en choisir une. Éventuellement avec un tirage au sort, comme tu disais. Bon, à voir. C'est intéressant. Bon, et ben en tout cas, c'était une soirée très productive, super cool. Si en pratique tu sortiras un max d'ennemis, il faut partir à l'opposé par rapport à ta position actuelle. Bon, on verra ça bientôt. On verra ça bientôt. Du coup, je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir accompagné ce soir pour ce stream qui n'était pas prévu, mais qui m'a fait extrêmement plaisir. Vraiment, c'était la concrétisation de ce qu'on a fait hier grâce à toi, Ariette, et ça, c'est super cool. Oh, il y a Akalis qui est sur Tears of the Kingdom. Et bah, écoutez, on va faire un tiret chez Akalis. Hop. Akalus. Voilà. Et bah du coup, demain soir, on se retrouve sur la Compagnie des Glaces. On sera en... Je pousse le petit truc. Espèce de bébête, là. On sera sur la Compagnie des Glaces, donc sur Modécube en créatif.
et on sera dans une ambiance bien fraîche. Et du coup, merci beaucoup de m'avoir accompagné, de m'avoir suivi, et rendez-vous demain soir. Bonne nuit, ciao ciao.